La princesse Pauline par la duchesse d'Abrantès. La mort de la princesse Borghèse est une de ces scènes du monde qui présentent le plus de motifs pour réfléchir et surtout pour imposer à notre esprit une grande paresse dans l'application du jugement que nous portons sur un individu quel qu'il soit. Moi-même, j'éprouvais un très vif remords en jetant dans le passé un regard sur ce que j'ai dit et pensé de cette femme extraordinaire qui m'avait inspiré, à côté d'une vive amitié, un sentiment pénible, car je lui reprochais cette rougeur qui ne pouvait être réprimée sur le front de ses amis, lorsqu'on prononçait son nom accompagné de circonstances que l'amie la plus dévouée ne pouvait défendre, et dans laquelle la frivolité de la coupable arrêtait toute pensée de dévouement. On l'aimait, mais cette puérilité dans sa vie, cette insouciance oublieuse de l'opinion, résultat, on devait le croire, de peu de force de son âme, donnait pour elle à la société qui la jugeait un sentiment qui ne cessait d'être hostile qu'au moment où la beauté prestigieuse de cette femme exerçait son empire et faisait plier le genou devant elle. Mais aussitôt qu'elle s'éloignait, le charme cessait et l'opinion reprenait son accent sévère. Tout à coup une voix s'élève et dit « Vous avez mal jugé celle que vous avez mal connue. » Le monde ne doit pas apporter dans son code de loi la stupidité d'un tribunal qui ne revient pas sur un jugement à mort, même en apprenant l'innocence de l'accusé. Le monde doit être équitable et faire une distribution juste de son mépris et de sa louange. Offrir ici la princesse Pauline exempte de tout reproche serait aussi peu vrai que peu digne d'intérêt. Mais il est du devoir de celle qui l'aima et pleura sur elle de donner à sa mémoire le lustre qui doit lui revenir de la nouvelle attitude dans laquelle elle se montre à nous. Cette voix qui révèle ce qu'elle fut réellement et non ce que sa vie frivole et désoccupée pouvait la faire croire. Cette voix part d'un lieu qui ne rend aucun écho de flatterie ni d'amour. Cette voix vient du tombeau. Là, tout est vérité, le masque tombe, et les cierges qui brûlent autour d'une bière n'éclairent aucun faux semblant. Lorsqu'après les désastres des cent jours, la princesse Borghèse se vit séparée de son frère, elle fut longtemps fort mal, et sollicita avec ardeur, malgré sa souffrance, la permission d'aller joindre la malheureuse victime sur son roc calciné. Malgré le désir qu'il aurait eu de la voir près de lui, l'empereur, qui connaissait l'état déplorable de sa santé, lui écrivit plusieurs fois pour la dissuader de ce projet. Mais la lutte fraternelle devait être terminée par les geôliers, qui vraiment pensaient à toute autre chose qu'à donner quelques heures de douce joie à leurs prisonniers, en permettant à une faible femme de faire demi lieue pour consoler un frère. Lorsque j'appris cette volonté de la princesse Borghèse, j'avoue qu'elle se grandit de bien des coudées à mes yeux. Je la compris dans toute la grandeur de son action, et je n'y vis rien pour le monde, parce qu'il n'y avait en effet rien pour le monde. Juger ainsi, c'est tout tuer. Cette détermination de la princesse Pauline était une grande et belle action, qui doublait de mérite surtout en raison de l'état affreux de sa santé. Depuis bien des années, la médecine l'avait condamnée à toujours souffrir, et Corvisart lui avait fait entendre qu'elle n'aurait pas de vieux jours. La naissance de son fils, de Dermide, seul enfant qu'elle ait jamais eu, et qui était fils du général Leclerc, de son premier mari, cette naissance lui avait à elle donné la mort. Ce n'était donc pas pour prendre une attitude intéressante, ni pour se singulariser, qu'elle allait toujours en palanquin. Elle apportait bien dans les soins qu'elle prenait de sa santé cette frivolité puérile qui la rendait le sujet de mille remarques malignes, mais elle était contrainte à s'occuper d'elle avec cette minutie de soins et d'attention que nous lui avons tous connue. Corvisart avait dit à l'empereur que la vie de sa sœur dépendait d'un régime strictement suivi. Napoléon, qui aimait beaucoup la princesse Pauline, elle aimait comme un frère aime une sœur dévouée, Napoléon avait exigé d'elle qu'elle suivît de tout point les ordres de Corvisart. La princesse était quelquefois docile, quelquefois aussi elle ne l'était pas. C'est ainsi qu'elle atteignit la fatale époque des désastres de sa famille. Alors la terrible maladie qu'elle portait en elle, et que des soins multipliés combattaient depuis tant d'années, se développa avec furie et exerça les plus terribles ravages. Tous ses amis de Rome lui demandant grâce pour elle-même, la suppliait de se rappeler ce que l'empereur lui aussi exigeait d'elle. Tant qu'il vécut, son nom, invoqué par les médecins, ne l'était jamais en vain. Mais après sa mort, la malade courba la tête et attendit la souffrance sans chercher à l'éviter. Madame Mère,
dont les remontrances auraient pu seules avoir quelque pouvoir, accablée elle-même sous le coup qui venait de retentir dans le monde entier, Madame Mère devint en quelque sorte étrangère à tout ce qui se passait dans sa famille. Lucien voulut parler, mais sa voix, autrefois si chérie, n'avait plus non seulement de douceur à l'oreille de la princesse Pauline, mais, soit que les avis fraternels fussent mal donnés, soit que le souvenir des dissensions de Lucien et de Napoléon eût sur elle un puissant empire, elle commença par décliner l'autorité de son frère comme mentor, et finit par parler avec une telle aigreur que Lucien et elle vécurent plus que froidement ensemble. Le comte de Survilliers était le seul qui aurait eu quelque pouvoir sur elle, mais il était loin, et tous les autres membres de sa famille, quoique réunis à Rome autour d'elle, ne pouvaient rien sur son esprit. J'ai peint la princesse Borghese comme elle était lorsque son rôle de femme, et de femme supérieure en beauté, la faisait apparaître sur cette scène du monde, sur laquelle nous jouons tous, pour y être applaudis ou sifflés selon notre plus ou moins de talent. Je n'ai rien exagéré en parlant d'elle. Toutes les personnes de sa maison vivent encore aujourd'hui, peuvent infirmer ou affirmer mes paroles, mais en racontant sa légèreté, cette niaise importance qu'elle mettait à faire et à dire des riens, je n'ai jamais attaqué son cœur ni les qualités de son âme. À bien dire, je ne les mettais pas en doute. Mais à l'exception de son dévouement pour son frère, je ne lui en connaissais guère, parce que je ne mettais pas mon esprit en quête pour les découvrir, et qu'elle y aidait merveilleusement par le sommeil apathique dans lequel tout cela était plongé. Tout à coup, une vive lumière vient éclairer cette tombe que l'oubli de la mort avait frappée, et que déjà le temps commençait à placer dans l'ombre. La pierre se soulève, et au rayon de cette lumière, la femme qui fut si longtemps pour nous un type de nullité morale, ou bien de futile légèreté, nous apparaît maintenant grande, forte, revêtue d'une robe immortelle, dont l'éclat reçu dans les douleurs de l'agonie ne peut être ni contesté, ni effacé, ni même altéré. La mort de l'empereur avait porté un coup terrible à la santé déjà si fortement attaquée de la princesse Pauline. On sait tout le dévouement qu'elle lui montra en 1814, lors de son premier exil sur les rochers de fer de l'île d'Elbe, alors que cette femme, que la haine et le mépris de toute la nation française doivent poursuivre à jamais, faisait rougir tout ce qui était épouse, tout ce qui était mère, en abandonnant son mari, le père de son enfant, à une douleur solitaire, pour traîner sans dignité une existence qu'elle-même vouait à la honte présente et future. Eh bien, à cette même époque, la princesse Borghese, après avoir montré en Provence une fermeté et une noblesse de caractère dont l'empereur dut être glorieux, car elle reflétait en ce moment tout entier, abandonna la riante Italie et ses palais de marbre, ses voluptueuses villas, et alla parler à son frère malheureux le seul langage du cœur qu'il eût entendu depuis qu'il n'avait plus à donner de royaume, de dotation, d'épaulettes, de cordons et même de haute livrée. Dans le même temps, une autre sœur de Napoléon était à Naples, où non seulement elle oubliait son bienfaiteur, mais où elle cherchait par ses intrigues à lui fermer à jamais le chemin de la France, s'il devait y rentrer par l'Italie. L'insensé! Comme si la force de tout ce qui portait le nom de Napoléon ne venait pas de lui-même, comme si elle était quelque chose. Elle n'avait qu'un parti à prendre, c'était de laisser Murat provoquer l'indépendance de l'Italie, la déclarer libre, et laisser les bannières des peuples flotter joyeusement sur les remparts des 20 cités courbées sous le tomahawk de 20 tyrans. Murat le voulait au reste, mais alors il eût été le maître, il n'eût pas été ce qu'elle voulait qu'il fût, le mari de la reine, et l'hommage liège prêté à l'Autriche changeait totalement les choses. Et c'est ainsi qu'en 1814, la reine de Naples enfin remplissait le rôle d'une ennemie de son malheureux frère dans la tragédie qui se jouait alors pour briser la plus grande des destinées. La princesse Pauline attendit à l'île d'Elbe le résultat de la tentative de son frère. Sa joie fut extrême lorsqu'elle apprit l'étonnant succès qu'il accueillit à sa descente du vaisseau. Mais toutes ces agitations avançaient sa vie, et la joie, comme la douleur, usent bien vite une âme qui se dépasse sous leurs palpitations. La princesse en ressentit l'effet. Ses douleurs devinrent plus pressées, plus intenses. Quelquefois, elle la faisait pâlir. Et lorsqu'en 1818, j'eus l'honneur de la voir à Rome, son changement me frappa, et me frappa au cœur. Ce ne pouvait jamais être pour moi seulement une personne belle, souffrante, sœur de Napoléon,
et présentant, à ses différents titres, un droit à l'admiration et à l'intérêt. Tout ce que je pouvais ressentir de profond en souvenir de cœur s'éveillait en moi à sa vue, à une de ses paroles, en recevant une de ses caresses, lorsqu'en 1817 je la revis à Rome. Aussi mon œil s'aperçut-il bien plus tôt que celui d'une autre des ravages que la douleur avait faits sur cette ravissante créature. Elle me devina. « Vous me trouvez bien changé, n'est-ce pas ? » me demanda-t-elle. Et son regard me suivait, en cherchant pour ainsi dire à pénétrer dans mon âme. Elle avait alors beaucoup de ressemblance avec l'empereur. Je lui répondis ce qu'on répond toujours à une personne malade qui interroge avec anxiété. Je lui dis qu'elle n'était pas du tout changée depuis son départ de Paris. En cela, je mentais, et je mentais si bien qu'elle remua doucement la tête avec un sourire triste et doux. Cependant, mon compliment la flatta, et elle m'attira à elle pour m'embrasser. Elle était sur un canapé et presque dans l'attitude de sa statue, faite par Canova, et qui se trouve toujours au palais Borghese à Rome. Il faisait chaud. Elle avait une robe de mousseline de l'Inde, garnie de dentelles de Bruxelles et doublée en taffetas rose pâle. À son cou, elle portait une énorme torsade de perles fines, d'une eau admirable et de la grosseur d'une petite groseille. Cette torsade, ou plutôt cette masse de perles, avait au bout une énorme poire, également perles fines. Cette profusion de perles cachait un peu la maigreur de son cou. Ses bras étaient également entourés de beaucoup de perles. Un grand peigne semblable retenait ses cheveux. Ainsi habillée, elle était encore charmante. Sa statue, l'un des plus beaux ouvrages, sans doute, qui soit sorti de la main de Canova, était dans ce même palais Borghese, où elle-même habitait enfin, comme femme de l'un des premiers princes romains, mais dont son mari lui avait longtemps disputé l'entrée. Le prince Borghese n'était pas méchant, mais il était autre chose, ce qui revient au même. Et la princesse, peu habituée à prendre une voix suppliante, avait augmenté la mésintelligence qui depuis longtemps régnait entre eux. Enfin le pape s'en mêla. Lucien, qui sentait la dignité de sa famille compromise par toutes ces dissensions, dont le public s'amusait sans y mettre aucun intérêt d'attachement, parla également au cardinal Consalvi, qui parla à son tour au prince Borghese, dont le séjour habituel était alors à Florence. Le cardinal Spada, le cardinal Lasmolia et Consalvi, comme je l'ai dit, formèrent une manière de petit conclave, et de tout cela il résulta que la princesse Pauline habita le palais de son mari, ainsi que cela devait être. Sa fortune n'était pas considérable, mais elle suffisait pour lui faire tenir à Rome surtout un état honorable. Le prince Borghese, contrarié d'être son hôte au palais Borghese, pour faire comprendre qu'il y avait été forcé, pour ainsi dire, avait imaginé, et l'on sait quel était son degré de force pour le travail d'imagination, de faire faire une grande séparation dans le palais. Et lorsque les curieux allaient le visiter, le concierge disait, comme phrase ajoutée à son répertoire, « Ecco la parte del principe, ecco la parte della principessa ». C'était une admirable création du génie que cette statue de Canova. Lorsque je l'eus bien admirée, j'y retournai, et puis j'y revins encore. Toutes les fois, j'y découvrais de nouvelles beautés. L'attitude de la statue est gracieuse. Elle est couchée sur un sofa recouvert d'un coussin, dans lequel le poids du corps le fait entrer avec tout le moelleux, qu'aurait en effet un corps de femme foulant un édredon. Quant aux chairs, c'est la nature. La morbidezza, si recommandée au sculpteur, était là dans toute sa voluptueuse perfection. La princesse est représentée sous la figure de Vénus venant de recevoir la pomme des mains de Paris. Elle est couchée à demi et un peu penchée en avant. Le bras gauche tombe moelleusement sur le côté et le droit, à demi élevé, tient la pomme. Derrière la figure est un oreiller aussi merveilleusement élastique que le coussin du sofa. Le coude du bras droit, surtout, qui entre dans l'oreiller en s'y appuyant, forme une empreinte qui ferait l'illusion de la nature si les chairs avaient de la couleur. Il y a du Prométhée dans cette œuvre. Je fus chez elle un matin en sortant de la salle où l'on garde ce vrai trésor. « Je ne veux plus qu'on la voie, » me dit-elle. « Je vais écrire au prince Camille et lui demander de ne plus donner de permission pour que les étrangers me rendent ainsi des visites dont je les tiens quittes. Et puis, » ajouta-t-elle avec une expression plus sombre et plus sérieuse que je ne la lui connaissais, « ils viennent ensuite juger des ravages que la douleur fait sur moi. » Ce n'est pas assez de donner à Sainte-Hélène le poison des souffrances à mon pauvre frère.
il faut aussi que j'en présente ici les faits. Jamais je ne l'avais entendu parler avec autant de force. Ce que j'ai appris depuis m'a donné l'explication de ce qui alors me semblait extraordinaire. Et je dois dire à ma honte que je suis coupable de ne pas avoir deviné que l'âme de cette femme s'était épurée, agrandie, par l'excès de la douleur et surtout de l'injustice. Les leçons du malheur et de la nécessité produisent deux effets tout opposés. Elles font l'homme meilleur ou le rendent cruel. Le chien qui souffre est plus soumis, le tigre blessé devient furieux. Quant à moi, je pense que l'âme qui supporte l'épreuve profondément terrible du malheur, sans se laisser traîner par lui sur le sol, est grande et belle. C'est alors que de disciple on devient maître et qu'à son tour on gourmande le sort. À cette époque, elle donna une preuve de générosité, vertu assez peu développée également en elle avant les désastres de sa maison. J'étais à Rome lors de la fameuse expédition des brigands qui eut lieu à Tusculum, résidence de Lucien. Cette mystérieuse et terrible aventure, sur laquelle un grand personnage pourrait peut-être jeter un grand jour, eut pour principal héros un ami du prince Lucien qui habitait sa maison et l'avait suivi dans son exil. Monsieur le comte de Châtillon fut pris par Decesaris, chef de brigand, fameux dans les Abruzzes et l'aimant de Tusculum, et mis à rançon par lui. La princesse Borghese s'offrit sur-le-champ à payer cette rançon, fut-elle de 5 000 piastres. Le prince Lucien ne lui en laissa pas le temps, mais enfin elle l'avait proposé, et son intention doit être reconnue comme belle et généreuse. La terreur que cette terrible aventure répandit dans la famille de Lucien eut sur elle plus d'influence peut-être que sur tout autre. Sa santé, déjà si affaiblie, en reçut une dangereuse secousse, en lui donnant une agitation de toutes les heures et une crainte continuelle relativement à tous ceux qu'elle aimait. Puis vint la mort de l'empereur. Ce coup fut réellement mortel. Depuis le jour où la fatale nouvelle lui parvint, elle ne fit que languir, et enfin, les plus terribles souffrances amenèrent les derniers instants d'une vie dont les jours ne devaient pas être si tôt tranchés. On était au mois de septembre 1823. Le médecin de la princesse, il signor Bomba, et le chirurgien corse Cisco, déclarèrent à Madame Mère et au cardinal Fesch que l'état de la princesse était des plus alarmants, et qu'il fallait songer à lui faire quitter Rome, où le chirocco lui était fatal. La princesse fut à la Villa Paulina, charmante villa qu'elle avait, et située près de Porta Pia. Mais ce n'était pas à quitter Rome. Les médecins insistèrent. Le pape, c'était alors Léon XII, écrivit au prince Borghese, qui était à Florence, en lui manifestant son intention de le réunir à la princesse Pauline et lui demandant, comme une preuve de son amitié, d'oublier tous les sujets de désunion qui pouvaient exister entre eux, ajoutant que, dans le cas où la princesse reviendrait à la vie, il lui demandait de la considérer comme sa compagne et de vivre avec elle en bon mari. La princesse fit aussitôt ses préparatifs de départ. Un bateau, commodément arrangé, la reçut à Ripetta, où elle s'embarqua, car elle était trop faible et trop cruellement souffrante pour aller à Florence par la route de terre. Elle descendit le Tibre jusqu'à Nettuno, et là, elle s'embarqua sur un bâtiment qui la transporta à Livourne. La route fut cruelle à la princesse. Les souffrances de la malheureuse femme prenaient un caractère de douleur qui devenait plus impossible à supporter d'heure en heure. Elle avait auprès d'elle une charmante et aimable personne, dont les soins, l'attachement, ont adouci les terribles moments. Madame Doménil, qui lui était attachée comme dame de compagnie, lui tenait lieu en même temps de mère, de sœur, de frère, d'amis, enfin de tout ce qui devait l'entourer à cette heure suprême, et qui alors était loin d'elle. Douée à la fois d'esprit et de talent charmant, Madame Doménil entourait la princesse de ces soins que les arts rendent si doux, et la pauvre malade, souriant quelquefois au milieu de ses souffrances, lui disait « Sylvie, je te remercie. Tu es bonne pour la pauvre mourante. Dieu te bénira. » Le triste convoi arrivait à Livourne, il fallut atteindre Florence. Le trajet, quoique bien court, faillit être fatal à la malheureuse voyageuse, qui atteignait en même temps le but de ses deux pèlerinages. Enfin, elle entra dans Florence. Le prince Camille la reçut comme il devait le faire, c'est-à-dire avec bonté, parce qu'il n'était nullement méchant, et qu'à cette heure extrême, il n'ait plus de balance pour peser les torts. Le lendemain de son arrivée, la princesse se trouva si mal
que tout ce qui l'entourait jugea nécessaire de faire une consultation. Le résultat fut que la malade devait quitter Florence pour respirer un air encore plus pur, et deux jours après, elle était établie dans une charmante campagne appartenant à son mari et située à peu de distance de la ville. La princesse Pauline ne savait pas encore que son état ne présentait plus d'espérance. Une expression singulière animait son regard lorsqu'elle voyait son lit entouré de ses amis. Elle semblait chercher dans leurs yeux humides et leurs traits altérés ce qu'elle devait craindre ou espérer. Un jour, elle prit la main de Madame Doménil et la lui serrant avec amitié. « Dis-moi la vérité, Sylvie, qu'ont-il prononcé sur moi ?» Madame Doménil l'assura qu'elle ne savait rien. « Eh bien, je veux savoir, moi, je veux savoir mon sort. Je veux quitter ce monde avec la pensée consolante d'avoir rempli tous mes devoirs. Je ne veux pas que la mort me surprenne, qu'on avertisse mes médecins. » Lorsque ces médecins furent près d'elle, elle leur demanda d'une voix ferme combien elle pouvait encore avoir de jours à souffrir. Ils hésitèrent d'abord à répondre. Il leur semblait cruel de frapper ainsi d'anathème l'âme d'un corps si beau, car malgré ses souffrances, ses tortures épouvantables, c'était encore une belle œuvre du Créateur. Mais leur silence éclaira la princesse plus qu'un mot positif n'eût pu le faire. « Ainsi donc, dit-elle avec un léger tremblement dans la voix, tout est fini pour moi ?»« Eh bien, après tout, depuis longtemps la vie me semblait lourde. » Et se tournant de côté, elle murmura tout bas quelques mots, parmi lesquels on distingua le nom de Napoléon. « Mais n'avez-vous pas une époque plus précise que celle que vous me laissez deviner moi-même » dit-elle au médecin en se retournant vers eux. « Je vous ai dit que j'avais des dispositions à faire. » L'un des médecins s'approcha et lui dit avec beaucoup de ménagement que maintenant le danger était permanent et que toutes les heures pouvaient être funestes. « Vous voyez bien que j'avais raison de vous presser, » répliqua-t-elle avec un sourire dans lequel il y avait une expression toute napoléonienne. Des lettres furent aussitôt expédiées par son ordre. Elles étaient adressées à ceux de ses parents qui étaient alors en Italie pour leur demander de venir lui dire un dernier adieu. Le duc de Montfort fut le seul qui avait assez à temps pour la voir. Cependant, chaque jour, chaque heure amenait une nouvelle douleur et rendait le danger plus instant. Un matin, après avoir passé une de ces nuits à prestige infernal, qui donnent au corps torturé une idée de l'enfer, la princesse retomba anéantie sur ses coussins et comprit que maintenant, entre Dieu et elle, peu de distance lui restait à parcourir. Elle se fit porter sur un petit lit blanc, semblable à celui dans lequel son frère avait enfin trouvé le repos que des tigres, qu'il avait pris pour des hommes, lui avaient dénié pendant 8 années. Et là, près d'une fenêtre, elle exposa son front glacé au vent tiède et parfumé de la belle campagne florentine. Il y avait alors dans l'air de ces trésors de vie dont l'Italie est si riche à toutes les époques de l'année, mais surtout celle à laquelle on était alors. Les fleurs renaissaient partout, une végétation abondante et vigoureuse inondait la campagne, et des touffes de fleurs, filles de cet autre printemps, enivraient à la fois tous les sens. Il y avait un air de fête dans cette nature, éclairée par un beau soleil, dont les rayons doux et chauds n'avaient plus cette ardeur dévorante qui dessèche quelquefois dans un été d'Italie. Il donnait une force attractive qui rattachait à la vie par toutes les puissances de l'âme, par tous les liens plus matériels du corps. La mourante en ressentit l'effet. Mais pour elle, cet effet n'était qu'une angoisse de plus venant grossir le cortège de toutes celles qui devaient la presser de leur serre tranchante à la dernière heure de toutes. Son œil parcourut lentement le tapis diaprès, les belles eaux, les ombrages touffus, tableaux ravissants dont la perspective se déroulait devant elle, à mesure que son regard s'élevait ou s'abaissait. Tout à coup il se voila. Une expression moins digne et moins maîtresse enveloppa son beau visage. C'est que dans ce vague et douloureux adieu, elle venait d'apercevoir la chaîne bleuâtre des Apennins, et que par-delà est la ville sainte, la ville hospitalière, noble refuge toujours ouvert à l'exilé, soit qu'il porte une couronne ou qu'il saigne un cilice. C'est là que Pauline a connu la douleur, mais la douleur comme elle fut donnée à l'homme pour qu'il gémisse et qu'il pleure, et non de ses peines qu'un bouquet de roses efface. C'est là que Pauline mit dans la bière son enfant, âgé de 8 ans, son fils unique, beau, aimé, aimant. Oh, comme elle pleura sur le tombeau de cette jeune fleur, dont la tige semblait s'affermir de tant d'espérance. Pauvre d'Hermide,
Sa mère allait se coucher près de lui, et son aïeul, dont les yeux secs et brûlants ne pouvaient plus pleurer, allait retrouver des larmes pour la mort de sa fille bien-aimée. Il y a dans la douleur des vieillards une magie terrible, une fascination qui contraint à plier le genou devant une tête à cheveux blancs dont chaque teinte a été déposée par une peine constante. Sans doute la jeunesse connaît la douleur, mais elle est, comme sa joie, imprévue et fougueuse. Ce qui blesse à mort, c'est la souffrance du lendemain sur la souffrance de la veille. Cette pensée s'offrit à la mourante dans toute sa lugubre vérité. Quelle que soit la douceur que l'on trouve à la certitude d'être pleurée, elle recula devant l'image de sa vieille mère brisée par l'orage au soir de sa vie, et atteinte dans son dernier refuge de consolation par la mort de sa Paulette bien-aimée. Cependant, elle ne pleurait pas celle qui allait mourir, et son regard arrêté sur un portrait de l'empereur placé vis-à-vis d'elle semblait lui dire qu'elle ne ferait rien d'indigne de son nom. Le prince Camille s'approcha de son lit, mais il n'osait avancer. Ses sanglots le trahirent. La princesse écarta son rideau et le vit agenouillé et le visage baigné de larmes. Elle lui tendit la main et lui dit d'une voix assurée « Camille, je te prie de ne pas pleurer. Cette heure est la plus importante de ma vie. J'ai besoin de toutes mes forces. Ne m'attendris pas sur moi-même. Je veux mourir digne de mon nom. Napoléon me regarde. » Et ses yeux paraissaient suivre dans le bague un objet qui l'appelait à lui et auquel elle semblait répondre. Son état était presque extatique. De tous ses parents, le duc de Montfort fut le seul qui se rendit près d'elle. Le duc de Saint-Leu arriva trop tard. L'entrevue de la princesse Pauline et de son frère fut touchante. Le roi de Westphalie avait toujours aimé tendrement sa sœur, et elle le lui rendait. Lorsqu'elle le vit s'approcher de son lit avec les yeux gros de larmes, « Jérôme, lui dit-elle d'une voix suppliante, je t'en prie. Épargne-moi, que je ne vois pas tes larmes. Mon cœur se brise, et j'ai besoin de toute ma raison. » Cependant, la maladie faisait de rapides progrès. Les douleurs se succédaient avec une violence dont la force suffisait seule pour abréger une vie qui ne tenait depuis longtemps qu'à un fil délié. La malade eut un entretien de quelques instants, un matin, avec ses médecins, prit une potion et un cordial pour la soutenir. Puis elle dit à Madame Doménil de donner ordre à toutes ses femmes de se rendre auprès d'elle. Elles obéirent et se rangèrent devant son lit. « Il me faut encore quelqu'un, » dit la princesse en regardant autour d'elle si son service était complet. Et elle demanda son valet de chambre coiffeur. « Préparez tout pour ma toilette, » dit-elle alors à sa première femme de chambre, « que tout soit disposé comme si j'allais aux Tuileries un jour de grand cercle. Vous, » poursuivit-elle en s'adressant au valet de chambre stupéfait, « vous allez me coiffer. » Et rejetant son bonnet de nuit, elle fut à l'instant même couverte de cheveux noirs, doux, fins et lustrés, dont les anneaux avaient été si souvent admirés, lorsque ces mêmes jours de grand cercle aux Tuileries, elle y paraissait resplendissante de l'éclat d'une beauté incomparable, plus encore que celui des diamants étincelants dont ces mêmes cheveux étaient ornés. Au moment de sa mort, elle était sans doute maigrie, mais peu changée. Sa maigreur n'était pas même fort apparente sur son visage. Il était toujours ravissant. Des lignes aussi parfaites ne peuvent s'altérer même par la mort. En voyant la princesse Pauline, on disait « Voilà un ange qui souffre. » Le type de perfection ressentait à peine la teinte glacée de la main de la mort, et cependant, elle était déjà suspendue au-dessus de cette tête charmante, et quelques heures seulement la séparaient de l'éternité. Ce fut une longue et pénible opération que celle de vêtir de somptueux et élégants habits une femme dont un linceul sera la prochaine parure. En remplissant leur devoir, les femmes de la princesse pleuraient, et pleuraient avec sanglots. Mais elle, toujours calme, leur répétait « Mes enfants, ayez plus de courage, ne pleurez pas, et pourquoi d'ailleurs? Songez que je vais le rejoindre. » Et de sa main amaigrie, mais dont la forme était toujours parfaite, elle indiquait le portrait de l'empereur. Alors seulement ses yeux se mouillaient de larmes, et elle paraissait émue, mais elle se détournait aussitôt. Lorsqu'elle fut entièrement habillée, un cri d'admiration retentit autour d'elle. La belle princesse Pauline venait de renaître. C'était encore elle lorsque les femmes comme les hommes la proclamaient la plus belle. Elle avait mis du rouge, et à l'aide de ce moyen,
qu'elle lui aurait employée si elle avait en effet assisté à une fête, elle était toujours ce qu'elle avait été. Madame de Ménil avait en vain cherché à savoir quel pouvait être le dessein de la princesse. « Tu le sauras lorsqu'il en sera temps, Sylvie, » lui disait-elle, et cependant elle donnait des ordres, les lui faisait exécuter avec une précision dans les idées, une régularité à laquelle même on n'était pas habitué. Sylvie en fit doucement la remarque. « Je ne dois pas perdre de temps, » répondit la princesse en souriant tristement. Lorsqu'elle fut complètement parée, c'est-à-dire que ses diamants, ses perles, ses admirables bijoux furent distribués sur elle, ainsi qu'au plus beau jour de fête, elle se fit transporter sur un canapé dans une grande salle voisine de sa chambre. « Maintenant, dit-elle, placez une table devant moi, des plumes, de l'encre, du papier. « Eh bien, dit-elle avec impatience, ne m'obéirez-vous pas ? Que signifie cet étonnement ? Est-il donc si surprenant qu'une mourante veuille faire son testament ?» Lorsque tout fut disposé ainsi qu'elle l'avait ordonné, elle dit à Madame de Ménil, son chambellan, de faire venir dans cette salle tout ce qui habitait la villa. « Excepté ce qui tient au clergé, » ajouta-t-elle. « Ce n'est pas que je les évite, mais ce n'est pas le moment. Je les ferai avertir. » L'étonnement de chacun fut grand à la vue d'une personne qui, dans quelques heures, peut-être, allait cesser de vivre, et néanmoins parlait sur le bord de sa fosse avec une liberté d'esprit aussi lucide, aussi entière, que pas un de ceux dont nous admirons la fermeté dans l'antique histoire du malade. Maintenant, c'est donc ici qu'il faut admirer cette femme vraiment étonnante, cette femme certainement méconnue quant à son caractère, car on l'a jugée incapable, et cela n'est pas vrai. L'incapacité est sœur de la faiblesse morale. Après avoir demandé le silence, la princesse Pauline, ayant pris une nouvelle dose de cordial pour soutenir ses forces, annonça qu'elle allait faire son testament et qu'elle-même voulait l'écrire. Cet acte, qui contient plus de 40 articles et une foule de legs se distribuant à l'infini, est en effet tout entier de sa main. Le duc de Hamilton était à Rome à l'époque où j'y étais moi-même et portait alors le nom de marquis de Douglas. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je le rencontrais souvent dans mes promenades et plus souvent encore chez une agréable femme que je vis beaucoup pendant mon séjour à Rome, la duchesse de Devonshire. Je savais par elle et par mes amis combien il était dévoué à la princesse Pauline. Aussi je n'ai pas été surprise de voir son nom dans la longue liste des personnes ayant reçu un souvenir de la princesse. Ce souvenir était un cabaret de porcelaine de Sèvres, avec les portraits des principaux personnages de la cour de Louis XIV, peints par les plus habiles artistes. Ce don était d'autant plus précieux qu'à cette époque, j'ignore si cette coutume est changée, ces objets inestimables, par le fini de leur travail, n'était donné par l'empereur qu'aux têtes couronnées, ou bien comme marque d'une très haute distinction. Lord Gower, fils du marquis de Strafford, eut une pendule. Lord Holland, frère du célèbre Fox, eut des bronzes précieux. Un monsieur Fortescue, anglais fort élégant, et l'un de ses pauvres esclaves qui s'en allait trascinendo la catena, reçut aussi, comme souvenir de la mourante, des bronzes faisant partie de son ameublement. Quant à ses parents, tous, à l'exception d'un seul, eurent un legs plus ou moins riche. Ces deux campagnes de Luc et de Porta Pia furent laissées à ses deux nièces, filles du comte de Survilliers. La princesse Zénaïde eut la villa de Luc, et la princesse Charlotte, femme du fils aîné du duc de Saint-Leu, reçut en legs les villas Paulina à Porta Pia. Ils firent plus tard un échange. Toute sa garde-robe, c'est-à-dire les fourrures, les dentelles, les cachemires et les bijoux de l'écrin de la princesse Pauline, duchesse de Guastalla, et non pas les diamants de la princesse Borghese, tous ces objets furent partagés entre ses nièces et ses belles-sœurs. Je m'arrête sur ces détails, parce que ces mêmes détails furent observés et minutieusement distingués par elle-même. Elle était là, sur un sofa élevé, soutenu par des coussins, mais forte encore de cette force que donne l'âme. On éprouvait un sentiment d'admiration religieuse en voyant cette femme, jeune encore pour mourir, entourée de tout ce qui peut faire, non pas aimer, mais idolâtrer la vie, et la quitter avec un courage, une fermeté,
une lucidité de raison qu'eussent envié les plus grands stoïques de l'Antiquité. Sans cesse, les yeux attachés sur le portrait de l'empereur, elle semblait lui répéter « Sois tranquille, je serai digne de toi ». Le cardinal Rivarola était nommé son exécuteur testamentaire. Elle lui laissa un legs à son choix. Puis, ayant relu avec quelque peine ce qu'elle venait d'écrire, elle parut chercher si sa mémoire ne l'avait pas trahi. « Je ne voudrais pas qu'un ami crût que j'ai pu l'oublier, » dit-elle avec un sourire dont l'expression était effrayante, car la mort et toutes ses angoisses contractaient déjà ses traits. Tout à coup, elle se redressa. Ses yeux jetèrent une vive lumière. Elle reprit sa plume, mais elle la laissa retomber. La nature commençait à refuser son aide à cette âme étonnante. Cependant, elle se remit et traça une dernière ligne. C'était le legs de son frère Lucien, dont en effet elle n'avait pas parlé. Depuis son arrivée à Rome, la princesse Pauline avait toujours été en dissidence avec le prince de Canino. Ses remontrances fraternelles, souvent répétées, n'avaient jamais été bien accueillies par elle. L'aigreur avait succédé à l'humeur, puis la colère, et enfin une sorte de rupture tacite qui avait amené entre eux toute fin de rapports intimes et fraternels, bien qu'ils se vissent toujours. Elle en souffrait beaucoup, parce qu'elle aimait son frère. S'ils se fussent parlé une seule fois, toute cette glace, dont on avait entouré leur rapport, se serait fondue devant une seule caresse fraternelle, une seule parole même. Mais loin de là, une réserve pénible avait longtemps fait souffrir la princesse. À leur extrême, cette souffrance reçut un nouvel aiguillon lorsqu'en jetant autour d'elle un regard mourant, son œil ne rencontra pas celui de son frère. Elle reprit alors sa plume et écrivit « Pour Lucien, je lui lègue l'oubli du passé. » Après ce dernier effort, elle retomba sur ses coussins, anéantie et mourante. Ses membres frissonnaient de ce froid que rien ne dissipe, sous les broderies d'or, les dentelles, et les diamants chatoyants dont les feux se multipliaient sous la flamme des cierges de la chapelle, qu'on venait d'allumer pour les placer autour du lit de la mourante, à laquelle il restait encore à remplir un grand et solennel devoir. Pendant ce temps, elle continuait à donner des ordres à ses hommes d'affaires et à s'occuper de détails qui véritablement confondent la pensée, lorsque l'on se dit à soi-même qu'il est incertain qu'au moment de partir pour un voyage on eût une présence d'esprit aussi parfaite. Cependant, ses forces déclinaient, elle le sentit. « Je crois, » dit-elle à M. Doménil, son chambellan, « que j'ai trop présumé de moi en comptant pouvoir mourir debout comme cet empereur romain. Sylvie, donne des ordres pour que la cérémonie se prépare. Je veux qu'elle soit publique, qu'on avertisse le clergé. Et je t'en conjure, Sylvie, ne pleure pas ainsi, tu me fais mal. » Madame Doménil sanglotait et ne pouvait parler. Elle aimait la princesse, et la femme qui pouvait avoir de pareils moments pour les derniers de sa vie méritait en effet d'être aimée de ceux qui l'approchaient et pouvaient la connaître. Quel changement 15 années le malheur avait amené dans cet être tout frivole, cette femme belle et fragile comme une fleur, et toute pétrie de grâce, d'amour du plaisir, et dominée par une seule volonté, celle d'être adorée. Cependant, on ne fait pas une âme dans une tourmente, elle peut s'y dépouiller d'une grossière enveloppe et retrouver son éther, mais là où la nature ne mit aucune bonne semence, rien ne vient, et le malheur ne développe que vice et infamie dans des âmes qui eussent été tout aussi perverses, comblées des biens de la fortune et entourées des délices du cœur. Après avoir donné ses derniers ordres pour la cérémonie sacrée qui se préparait, la princesse se sentit anéantie. Ses médecins l'entourèrent, et celui qui était à leur tête exigea que la princesse se remît au lit, et surtout fut délivrée du poids énorme de ses somptueux habits et de ses riches bijoux, sous lesquels cédaient ses membres amaigris. Après une légère résistance, qui avait pour motif sa volonté de mourir dignement vêtue, au lieu de porter cette camisole de batiste froissée par les mouvements convulsifs que la douleur et la rage provoquaient à chaque instant, la princesse consentit à se laisser déshabiller. Elle quitta les ornements qu'elle ne devait plus jamais revoir, et se laissa envelopper dans un vaste peignoir blanc dont la riche et élégante simplicité rappelait ses toilettes du matin à Paris, dans le bel hôtel de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Elle ne voulut pas reprendre son costume de malade en entier. « Qu'importe le mal que cela peut me faire, » dit-elle. « Est-ce donc pour quelques heures de plus ou de moins à demander à la vie ?» Et elle secoua la tête. « Non, non. Tout à l'heure, pour remplir mon devoir envers le monde, j'ai été convenablement et en digne sœur de Napoléon. »
Maintenant, dois-je faire moins pour le Seigneur mon Dieu, devant qui je vais bientôt paraître, moi, indigne pécheresse? Allons, mes enfants, faites entrer les prêtres et priez tous pour moi. » La famille et le clergé, qui demeuraient à la villa depuis que la princesse s'était déclarée en danger, ainsi qu'elle-même l'avait demandé, entrèrent alors dans l'appartement. Cet instant fut plus solennel dans cette chambre qu'il ne l'eût été près du lit d'une autre mourante. Ce n'est pas que le dernier soupir d'un prince soit plus agréable à Dieu quand il parvient au pied de son trône. Nulle religion, plus que la nôtre, ne met des poids plus égaux dans ses balances pour juger les hommes. Mais il y avait de si profonds mystères dans le changement miraculeux de cette femme gisante sur ce lit de mort, que l'intérêt, et un intérêt puissant, attachait tout ce qu'il y avait en soi de faculté pour voir et pour entendre dans cette heure solennelle. Le confesseur de la princesse marchait en tête du religieux cortège. C'était un homme de bien, et dans ces instants où l'âme craintive, quelque ferme qu'elle soit d'ailleurs, tremble, au moment d'être jetée aux pieds de son juge, c'est un bienfait de Dieu, qu'un guide consolateur pour franchir ce terrible passage. La mourante vit approcher les ecclésiastiques de son lit de mort avec le calme résigné qu'elle manifestait depuis le matin. Néanmoins, une légère émotion, mais qui ne venait pas de frayeur, anima ses yeux, déjà à demi voilés par un nuage qui ne devait plus s'enlever. « Mon père, dit-elle à son confesseur, j'ai donné en ma vie beaucoup de scandales. Aujourd'hui, je suis appelée à rendre de grands comptes à Dieu, mais j'ai une confiance en sa bonté qui me rend moins effrayant le monde où je vais entrer. Cependant, ma vie a été toute mondaine, et une chrétienne doit craindre la mort quand elle n'a pas vécu en chrétienne. » Le discours du confesseur fut court et clair de logique, et précis dans ses paroles, ce qui est fort rare dans un prédicateur italien. Mais le moment l'animait, et il se trouvait lui-même à l'immense hauteur de son sujet. Il dit, en peu de mots, qu'en effet, celui qui refuse à Dieu ce qui lui appartient est grandement coupable, et cependant que ce monde, pour lequel on abandonnait Dieu, n'était pas digne d'une âme immortelle, et n'avait pas même de quoi payer ceux qui le servent. Ses trésors, ses plaisirs, ses honneurs peuvent éblouir le cœur, mais non le remplir. Que devenait, à l'heure de la mort, cette beauté dont elle était si fière? Cette gloire de Napoléon elle-même, dont les fumées l'avaient enivrée, qu'était-elle aussi devenue? Captive, sur un rocher? Ses biens immenses, cet argent, cet or, dont les monceaux embarrassaient ses pas, ses honneurs rendus à sa puissance, eh bien, le souffle de Dieu avait tout renversé, et sa servante, dépouillée de tous ses prestiges, dont l'ennemi du Seigneur l'avait enveloppée, veuve de toutes les pompes du monde, pouvait maintenant le mépriser et juger de son peu de valeur. Car il paraît bien petit à la lueur des cierges qui brûlent autour de notre lit de mort. À mesure que le prêtre parlait, la princesse sortait de l'état presque léthargique dans lequel l'avait plongée la séance inouïe qu'elle venait de donner au monde, si l'on peut parler ainsi. Et en effet, elle avait posé pour un dernier portrait à laisser à la postérité. Ses yeux appesantis se rouvrirent et brillèrent de nouveau dans leur orbite brûlant. Son corps affaissé se souleva lentement, et s'appuyant sur son bras enfoncé dans l'un de ses oreillers, elle écouta attentivement la parole de Dieu. Dans cette attitude, qui rappelait l'attitude exactement semblable de la statue de Canova, elle était encore bien belle, dans sa pâleur de mourante, sous ses draperies blanches, dont les plis gracieux ne précédaient que de quelques heures la froide enveloppe d'un linceul. Belle, toujours belle, jusque dans la mort. Le confesseur s'approcha du lit de la princesse, et là, devant toute sa maison assemblée, il reçut sa confession. Cet acte solennel fut accompli avec toute la dignité, l'onction qu'il réclame. Ensuite, elle communia, puis elle pria avec ferveur, avec conviction. « Priez pour moi, disait-elle à ses femmes, pleurant autour de son lit. « Priez pour moi et ne pleurez pas ainsi. Ne m'attendrissez pas sur moi-même. » Lorsque la cérémonie sainte fut terminée, elle parut se recueillir plus profondément. « Maintenant, dit-elle à sa famille, adieu. Adieu. C'est le dernier. Ne pleure pas, Camille, ne pleure pas, et pardonne-moi les chagrins que je t'ai causés. » Le duc de Montfort n'était pas dans la chambre. Elle le chercha des yeux. Il était dans la pièce voisine.
car il lui était impossible de contenir son désespoir. Il aimait passionnément sa sœur, et ses sanglots, sortant d'un cœur brisé, accusaient une douleur qui pouvait être d'un terrible effet sur la pauvre mourante. Mais, quoiqu'il fût loin, elle l'entendit, ou plutôt le comprit. « Pauvre Jérôme, dit-elle, pauvre frère, il sera bien malheureux de ma mort, lui. » Et d'une voix faible, elle l'appela. Il vint et contint ses sanglots, mais ses yeux rouges de pleurs, ce son rauque et brisé que la plainte comprimée rend toujours, firent plus d'impression sur la moribonde qu'une explosion de cris et de larmes. Ses yeux, à elle-même, devinrent humides, mais cette émotion ne parut à l'extérieur que passagèrement. Sa paupière s'abaissa, et ses yeux demeurèrent fermés pendant quelques minutes. Puis elle la releva, et son œil fut chercher le portrait de l'empereur. C'était toujours le point de mire de son regard. « Tiens, dit-elle à Jérôme, regarde-le. Et puis ose pleurer encore, pleurer sur moi, trop heureuse de mourir. Je souffre autant que lui, et moi, je n'ai pas ma gloire pour m'aider à souffrir. » Elle embrassa encore une fois son frère et son mari, reçut une dernière bénédiction de son confesseur, puis elle manifesta la volonté ferme et décidée de rester seule avec Madame Doménil. Madame Doménil était dans un état digne de pitié. Elle aimait véritablement la princesse, et ce moment était des plus horribles pour elle. À genoux sur l'estrade du lit mortuaire, elle baignait de larmes les mains déjà froides de celle qui était pour elle et les siens une excellente et parfaite amie, et n'écoutant aucune de ses paroles, elle ne lui répondait que par des sanglots. La princesse l'attira doucement à elle, et lui frappant légèrement le cou, elle passait ses petites mains dans les boucles blondes des cheveux de Madame Doménil. « Bonne Sylvie, oh oui, tu m'aimes bien, toi, tu m'aimes vraiment, n'est-ce pas? Réponds-moi. » Madame Doménil ne répondit que par un sanglot déchirant qui s'échappa de sa poitrine avec le mot qu'elle voulait dire. « Eh bien, poursuivit la princesse, il faut me donner une preuve de cet attachement, ma Sylvie, le veux-tu? » Et elle lui tendit sa main brûlante et sèche, car la fièvre la dévorait. Madame Doménil la prit dans les siennes, la baisa, et puis la posa sur son cœur, sur son front, sur ses yeux, avec une éloquence de l'âme qui disait tout. « Mais, poursuivit la mourante avec un accent solennel, ce n'est pas une simple promesse que je veux, Sylvie, c'est un serment. » Madame Doménil parut surprise, mais après quelques secondes de silence seulement, elle répondit, d'une voix assurée, « J'obéirai à votre Altesse impériale, que m'ordonne-t-elle ? » L'usage de Rome est que les princesses romaines soient exposées pendant 3 jours à visage découvert avant d'être portées dans le caveau de leur famille. Cet usage, Sylvie, je ne veux pas m'y soumettre, non. Je ne veux pas que ces mêmes Romains qui m'ont vue si belle puissent me méconnaître. Je ne veux pas qu'après avoir admiré en moi le modèle de la copie imparfaite de la Vénus de Canova, ils puissent dire « ce n'est pas elle ». Encore une fois, je ne veux pas. Ma gloire à moi fut d'être belle. Je ne veux pas que le cercueil même y porte atteinte. » Madame Doménil était confondue. La princesse poursuivit. « Ce que j'exige de toi, Sylvie, c'est de faire exécuter religieusement ma volonté à cet égard. Il y a dans mon testament quelques articles que je n'ai pas annoncés à voix haute avec intention. Dans le nombre est celui qui concerne mon corps. Je ne veux pas non plus qu'il soit touché par des chirurgiens, qui le déchireraient après ma mort. Je m'y oppose formellement. Je veux être mise dans mon cercueil de plomb aussitôt que j'aurai rendu le dernier soupir. » Elle s'arrêta quelque temps et parut réfléchir sur un objet grave. Il était remarqué que chaque fois que cela lui arrivait, elle regardait attentivement le portrait de l'empereur comme pour lui demander conseil. « Oui, poursuivit-elle, je veux que cela soit ainsi. » Et souriant avec une expression indéfinissable qui renfermait à la fois tout ce que l'âme d'une femme peut sentir dans un pareil moment, elle ajouta d'une voix assurée, mais railleuse, « C'est bien le moins qu'on me laisse le soin de m'établir à ma guise, dans ma dernière demeure. » Et se tournant vers Madame Doménil, elle lui répéta avec un accent plus solennel, « Me jurez-vous de faire ce que je vous demande, Sylvie ? » Madame Doménil l'affirma de nouveau. « Ce n'est pas assez d'une simple promesse, vous dis-je. » Elle avança sa main, déjà appesantie, et soulevant avec peine un crucifix qui était près de son lit sur une petite table, avec un reliquaire, elle le mit dans les mains de Madame Doménil et reçut son serment. « C'est bien, dit la mourante
d'une voix qui commençait à s'affaiblir. « Maintenant, la mort peut venir. Elle passera avec moi inaperçue aux yeux du monde. Il ne viendra pas étudier ses ravages sur mes traits bouleversés. Maintenant, Sylvie, adieu. Du courage. Ne pleure pas ainsi. Tu m'affaiblis. Adieu. Adieu. Je ne dois plus être qu'à lui. » En montrant le portrait de l'empereur, « à lui et à Dieu. Qu'il daigne me pardonner. » Elle mourut peu après ce moment, toujours calme et maîtresse d'elle-même. Seulement, dans sa dernière heure d'agonie, elle parlait souvent à voix basse, sans qu'on pût l'entendre distinctement. Mais son œil mourant, sans cesse dirigé vers le portrait de l'empereur, indiquait assez que c'était avec lui que son âme conversait, et quelquefois un sourire d'une douceur infinie venait éclairer son visage, toujours beau, beau même dans les horreurs de la mort. Enfin elle s'éteignit et ses souffrances cessèrent. Aussitôt qu'elle eut rendu le dernier soupir, Madame de Ménil s'empressa de remplir ses volontés. Son beau corps fut déposé dans son cercueil, que reçut un magnifique catafalque, et suivi de toute sa maison dans le deuil le plus sévère et d'après la plus stricte étiquette, la princesse Borghèse prit le chemin du caveau funéraire de cette famille, qui la première lui avait entre toutes ses sœurs et tous ses frères donné la couronne de princesse et la lui conservait au milieu des chutes désastreuses de tous les siens pour la lui rendre sur son cercueil. Monsieur et Madame de Ménil menaient le deuil. Le chagrin profond de Madame de Ménil recevait un redoublement d'amertume de cette profonde solitude. Son imagination, déjà vivement impressionnée, lui faisait éprouver des mouvements inconnus lorsque, vers le soir, elle voyait défiler lentement devant elle, sur cette route solitaire, cette longue suite de voitures et de chevaux drapés et carapassonnés de noir, tout ce luxe de deuil exigé par la vanité de la richesse et du rang. Mais au milieu de cela, pas un cœur, excepté le sien, pour pleurer sur celle qui allait à son dernier asile. Il y avait en effet quelque chose de bien autrement terrible que dans la fiction d'un conte fantastique, à voir cette femme, dont la vie toute d'amour et de plaisir n'avait été jour par jour qu'une chaîne aux anneaux de fleurs, arrivée à leur extrême par un chemin hérissé des épines de ces mêmes fleurs maintenant effeuillées, dispersées par les orages du sort. De tant de souvenirs d'amour, de gloire et de grandeur, que lui restait-il? Rien. Un homme, un seul homme, avait pleuré à son chevet mortuaire, et cet homme, c'est celui qu'elle a toujours repoussé. Une femme lui a fermé les yeux avec la main d'une amie tendre et dévouée, mais celle-là n'eut jamais aucune part au don que sa main laissait tomber autour d'elle au jour de sa magnificence. Sa voix mourante a appelé sa famille pour lui dire, pour en recevoir un dernier adieu, et un seul de cette famille, jadis si nombreuse, a pu répondre à l'appel. Ah, malheureuse femme! Où donc sont tous ces hommes que ta beauté charmait, qui déliraient d'amour à tes genoux, ces femmes qui te déifiaient et qui souvent te servirent de marchepied? Que sont devenus ces rois, ces reines, que tu nommais tes frères et tes sœurs? L'oubli, l'ingratitude arrêtent les pas, ferment la bouche des premiers, et la proscription, l'exil, l'assassinat, la mort enfin, te font si mourir seul et dans l'abandon, pauvre délaissé. Toi, si belle, si chérie, idole nourrie des parfums de l'adoration, et quelle pensée torturante a dû être celle qui suivit la certitude terrible de mourir isolée. Mais aussi, combien devait être grande et forte l'âme de celle qui ne plia pas sous le fait de tant de malheurs. Salut à ton courage, femme, salut, car ton œil ne s'est pas troublé en sondant la profondeur du néant de ce monde qui semblait te braver dans ta peine par un lâche abandon. Tu l'as jugé et apprécié ce qu'il vaut réellement. Et lorsque tu l'as vu si pauvre de bonheur et si riche de souffrance, à ton tour, tu as souri avec dédain. Et la mort est devenue pour toi ce qu'elle sera toujours pour une âme forte et puissante, un passage. Entre Arezzo et Viterbe, une calèche de voyage fut arrêtée dans sa marche par le cortège mortuaire. C'était le duc de Saint-Leu, Louis Bonaparte, qui allait dire un dernier adieu à sa sœur. Il arrivait bien tard. Ainsi s'achève la princesse Pauline par la duchesse d'Abrantès.